Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, quel que soit que tu as obtenu des noix et qui l'a obtenu des noix. Jeudi, c'est vendredi 3 mai 2024, c'est une journée spéciale, c'est journée internationale, liberté de la presse. Mais en attendant, mes principales points de l'actualité. 3 mai 2024, là, c'est journée internationale, liberté de la presse. Nous avons gagné une attention spéciale dans l'édition nouvelle jeudi. Réaction a continué sur manifestation étudiants qui a déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, il y a quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là, mais la majorité choisie, Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation Frise Belizère comme candidat pour poste premier ministre. Oui, on le fait encore un salut. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe, qui a salué nous et qui a remercié nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. Jeudi, c'est 3 mai 2024, c'est journée internationale liberté de la presse. Un coup d'œil spécial avec Jacques Belizère. Dans l'occasion journée mondiale la presse là, Reporters sans frontières, RSF, fait sortir journée 3 mai 2024 là, yon rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement ak parlementaire yo trouvé yo parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que li fait sortir chaque année, li examine facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent média yo ak situation sécurité journalistes dans 180 pays ak territoires. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, liberté la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Wieners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Li dit la voix de l'Amérique, acteurs politiques yo toujours prêts pour laguer venir sous média yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme zam contre média qui critiquent yo. Wieners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une pi gros baisse dans liberté la presse par rapport à année passée. Tenez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Wieners, président Milei coupé financement pour médias publics et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade argentine dans Washington poko réagit sous email la voix de l'Amérique te voyé bali côté le demandé yon réaction. Classement by Norvège bon canet qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaire liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers, nous joignent tout Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande. Et dans quel camionnette là, nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins, qui c'est président National Press Club dans Washington, quoi, c'est un bagaille qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend 2 places pour le monter en 162e position. Mais Wieners dit, bagay ça a capable de tromper moun. Et le pas fin clair. RSF affirmé, la Russie recevoir mauvais canet dans affaire liberté la presse, qui en fait dégringolé, même si gen l'autre pays, côté bagay là, pire red que dans pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est emprisonnement journaliste parmi eux deux Américains. Ivan Gerskovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là, ni gouvernement américain démenti. Et département d'État dit, emprisonnement journaliste 32 ans ça, pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz-Matcheva, rédactrice en chef, chaîne télévision, sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty, qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié, inscrit non là comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça Moscou considéré comme fake news, mauvais information sur la Russie, principalement sous l'armée. Groupe Défense Liberté critiqué département d'État américain pour être l'IPADI, la Russie emprisonnée comme Matcheva injustement.
ça qui était capable d'après yo aider dans la libération. Yon porte-parole département d'État américain dit la Voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous Kassa avec un pilote encore. Classement ça, li pa bay mauvais nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen kote ça pi mieux. Par exemple, amélioration dans le pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place. Et puis, Haïti qui était en 99e prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55.92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacqueline Bélisère, VOA Creole. Et si nous t'es Jacques, l'est toujours, t'as qu'à dire plus toujours sur Liberté de la presse, ou façon que Liberté de la presse a célébré jeudi, hein. Dans certains pays, bah, elle a capable bon, mais dans l'autre pays, bah, elle a capable bon. Nous prenons dans le pays d'Haïti, côté, nous prenons regarder avec souterrain même, journaliste qui travaille souterrain même, qui j'en la vie, oui. Matadoui. En Haïti, journaliste, yo, surtout nous-mêmes, qui reportait d'image, yo, situation grave pour nous en Haïti. C'est avec un peu de difficulté, nous, vivre travail à terre. C'est en bas en pile critique et agression, journaliste reporter yo a travaillé dans Port-au-Prince. Travailler la pression fait qu'on est chaque jour bon Dieu mette y a pressé voir menace sous la vie. Lorsque nous rentrons dans le quartier défavorisé yo, dans le quartier côté groupe armé yo hier, n'a fait interview ensemble avec yo, eh bien autorité nationale yo critiquer nous. Police tout qui sont force légale qui t'a supposé là pour protéger nous même en tant que journaliste. Et yo prend nos coups cible bandi et bandi en lui-même tout souvent dès qu'on regarde des journalistes qui viennent dans l'espace yo prend nos coups cible et la police dit n'a travaillé pour la police et des journalistes qui victimes là parmi lesquels moi-même plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale nous arrivons même au niveau parquet et il y a plusieurs journalistes qui victimes qui gagne GPT qui gagne l'autre problème là toujours qui met bien mal réel yo prend qui mouri. Petit 5 journalistes qui sortent victimes dans le dernier mouvement qui était déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. Toujours sous même nouvelle là, nous avons journée ou bien notre cas dit 31e édition. Journée internationale Liberté de la presse là, c'est 31e édition. Et nous avons l'ONU qui a pris décision ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc, nous pouvons aller dans New York, côté il y a un journal haïtien qui est dans New York, qui est en cap travail pour informer la diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous histoire journal ça, qui est le Haitian Time, dans la ville de New York. So for us, when donc pour nous, l'œil aura les oreilles, nous n'a pas appelé tout le monde que ce travail nous n'a fait, c'est constat l'idoué. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora en un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times, la haïtienne américaine Vania André, gagne détermination à un objectif précis. Our job is to report what's fair and l'idée du travail, nous, c'est rapporter ça là, avec ça nous doué découvrir. Mission ça vient plus important dans le moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vient plus grave à cause de la violence gangue et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans le temps, Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping, gagnant qui choisit pour y courir. Pour André, faire face à besoin communauté a voulu dire un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à communauté a. Engagement, courir confiance. Joseph Laurent Cospo rete ti Haïti. C'est sa cause. L'expliquer c'est sa cause nous partager moment important que le journal a publié, ça encourager pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout ça mettre nous en valeur. Pendant plus migrants à Bébac et New York, un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus monde. C'est peut-être ça y a créé un bulletin immigration pour bailler bon gens information pour qu'une communauté haïtienne informée. Bulletin vise corriger des informations et puis répondre questions sur politique immigration. Really wanted to be able to think of a way. Il dit vraiment vrai, nous devons jouer un moyen pour consolider toute information ça, un seul côté que n'importe qui monde qui a bien accès à lui, qui est dans clinique ou docteur ou bien dans centre communautaire. J'ai fort à faire partie d'un plan pilage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger journal là, très personnel. Il dit vraiment garder sa capacité au niveau national, moi, histoire femme, à qui soit parent, moi. Et puis, moi, qu'à gérer qualité ou reportage à faire pour décennies qu'à venir. You know, decades, two decades to come. Atteindre une audience globale et puis aider les nouveaux migrants, yo, c'est façon André à Haitian Times capable de disposer un espace côté monde quand on des voix haïtiens.
Voilà, c'est Tristan Romer qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York qui vient de même niquer mes publics là informés sur ce qui a passé. Non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté Abdulatou qui normalement c'est la première base que tu reconnais ce qui a passé dans l'environnement. Et puis nous avons prêté dans New York toujours pour nous parler avec Valé Saint-Louis qui parlait de découvrir. L'autre journaliste c'est Dieu Nalio Chéri qui lui-même tout, c'est un journaliste photographe. On essaie de découvrir avec nous, journaliste là, Valé Saint-Louis. Dieu Nalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui a bail information. Actuellement là, je suis un freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France-Presse. Il servit à caméra photo pour bail information dans des moments et situations qui parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travail comme journaliste photographe t'es reconnu mondialement. Il était arrivé décrocher médaille d'or prix Robert Capa en année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui très prestigieuse que il était arrivé gagner pour courage exceptionnel que il était démontré dans travail journaliste là, l'elle t'a fait reportage photo sous crise politique là avec Abi Douamoun en Haïti. Robert Capa c'est un gros photographe de guerre. OK, l'aime prend pris ça, des gros photographes dans monde là très le mieux dit. Oh, on fait gros bagay, oui, l'autre photographe, pourquoi j'aime faire. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour année 2021. Métier journaliste là en général, et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment menacé la vie. Peut-être même toujours dit bon Dieu merci parce que m'la toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. D'ailleurs, parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tira les amis et puis tiré pour défendre tête en mitan une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Dieu Nalio Chéri t'est arrivé blessé pendant que t'as fait travail. Son larme moi quand touche la cap vini, son action de fait. Il y en a deux secondes et puis me dit me prend balle et puis me continue à faire photo parce que me sens monde comme ça moi même métier ça en pile en bas pression gang yo il était obligé quitter pays à prendre exil à toute famille. Un ami relem un journaliste li relem li dit que mais chef gang si Belekoa a demandé pour me dit pour qui ça. Pour qui est-ce que vous avez demandé? Qui non mon libaï? Il dit pour Dieu Nalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution, ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal, c'est une organisation qui a aidé des journalistes en Haïti. Il a aidé en pile pour me quitter le pays. Dieu Nalio Chéri t'a dit VOA Creole, qui sa journée mondiale liberté de la presse? Là, vous dit pour lui. Elle n'a pas de liberté de la presse. Son bail pour tout le monde, t'a qu'à valeur dans tout le pays. Parce que la presse sont bien communs liés. La presse pour tout le monde. Parce que moi-même, on t'a fait métier ça en Haïti, on t'a représenté tant que témoin société là. OK? On t'est là tout côté, on t'avait photographier tout ça moi qui pas normal, qui doit qui mérite attention. On t'a fait travail ça. On t'a fait travail ça pour famille, on t'a fait pour pays là. Ça veut dire que un journaliste il mérite protection dans mais tout le monde. Dieu Nalio Chéri quitte pays depuis année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Il pas jamais déposé outils caméra li. Il était un journaliste photographe indépendant qui kounia basé dans Michigan côté que l'a travaille sur plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Cependant, c'est pas seul exemple ça qui vient non côté journaliste a subi persécution. Dans Nicaragua par exemple, gouvernement maté journaliste surtout journaliste qui travaille dans la presse. Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau, séparé journaliste Sayo ak peyi la kayo, ak moun kabli atik yo na Nicaragua. Journaliste Sayo qui était obligé de prendre exil, mais qui était continué à faire reportage étant la kay voisin Costa Rica. Te vle marquer 98e anniversaire journal yo a, la Prensa, la presse. Kon sa, yo te retourné pour yon petit bout de temps, bord de l'eau Nicaragua. Et el día en que sali. The clandestine approach was necessary. Holmes Lawrence Ramirez, c'est un journaliste de la presse. Il dit, il songeait un moment sous bateau. Il était en gros silence dans l'équipe là. C'est seul bruit moteur que tu attendais. Il était nécessaire pour te approcher pré-pays en bachal.
Presque tout les staff la prensa, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur, t'es obligé de courir pour passer question au gouvernement. Puyo, produit en édition spéciale étant sous territoire Nicaragua, ça voyait un message par le gouvernement. Nayel Martinez, c'est un éditeur pour la prensa. I felt fulfilled. I swept my hands with the waters of the river and enjoyed it. Lidi, action liyo, c'était une façon pour dire gouvernement, mais nous ici là, côté nous battait deux jambes quitter à Nicaragua. Mais yon retour permanent, ça pas yon choix pour l'équipe La Prensa. En 2001, gouvernement président Daniel Ortega a saisi sa nouvelle là. Dans le cadre de sa autorité, a dit que c'était yon enquête sur fraude la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa. A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Li fait qu'on est la police qui vient à La Prensa et après ça, tu prends contrôle building là, tout employé au la donne. Après ça, il a été arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison à El Chipote. Il a été jugé, condamné à la sentence 9 l'année de prison. Il a amende 3 millions de dollars pour lavage de l'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de camper sur rien. Holman a joué une liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a été mise dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journaliste a gain confiance que un jour, il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et que la prensa a continué à vivre pour célébrer le 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Donaldo Hernandez, dans San José, Costa Rica. Serge François Michel, VOA Creole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale. Branchez VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Rendez-vous ça, c'est après-midi à tous les après journal ça. À 5h tapant, nous mettons sous journal dans page non sur Facebook. Quand on parle jeune et interview ça intégralité toute au parler spécial ça nous fait sur l'occasion journée internationale liberté de la presse n'a pas quitté ce sujet ça nous parler dans pays d'Haïti côté déblosaille entre acteurs politiques qui étaient participé dans rédaction bien encore dans accord 3 avril là et bien sous choix de façon que choisi coordonnateur conseil présidentiel transition avec candidat pour poste premier plan et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc fils comme coordonnateur Conseil présidentiel transition à désignation ingénieur Fritz Belizet comme premier ministre Mamio a couteau tiré. Hier jeudi 2 mai malgré tentative CAICOM pour résoudre situation pas grand-quelle solution qui trouvait. Groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre là, yo même yo pas participer dans rencontre ça. Yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'État, ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là. Avant rencontre là avec CARICOM, conseillers ont été réunis entre eux. Dans mitan discussion, accord 3 avril 2024 là, à inondation qui frappait notamment département nord. Pendant rencontre là, bloc minoritaire dans conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sous façon yo a pris décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5. Initiative ça visait garantir décision important qu'a gagne pour prendre dans mitan conseil présidentiel là ta cour nomination premier ministre avec formation gouvernement. Selon diverses sources nous capable faire confiance, gagne certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizet et puis tout pour ta répartition poste dans mitan conseil là. Même conseil présidentiel réunis journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter de trouver une entente par rapport à crise. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre opération militaire Israël a mené dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des certaines supporters Israël à Gaza entre ma confrontation à l'université Sydney dans le pays Australie jeudi vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation à l'université États-Unis avec bouleverse Moyen-Orient qui arrivait sur un campus qui sous un continent par l'autre bon monde là. Manifestants rivaux, l'un a bâgé l'autre pour chanter slogan sous qui drapeau. Mais quand même,
À part de quelques discussions chauffées, manifestation a été tous les déclarés finis pacifiquement. Mais c'était un autre signe qu'il a gagné Gaza, qui a couru sous 7e mois, et la guerre qu'il tire les États-Unis, qui pas suspendre, a traversé plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnent banni avec drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, coin central, pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qui exerce la fin dans Gaza. Merci et Fred Kaimi, n'a prêté sur même sujet ça et bien groupe militant Amasio déclaré y a envoyé une délégation en Égypte pour discuter sur proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage Jean-Thierry Augustin Junior. Hamas fait connait li a considéré ak yon esprit positif yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute averti que rétablir territoire palestinien qui dévasté ya ta mande effort que monde lan pat jamwe depuis deuxième guerre mondiale. Après plusieurs mois négociation tombé levé, Hamas bay yon ton positif pour dernière proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé. Ça qui soulevé espoir que dès quand yo ka joine yon entente avant longtemps. Même les travailleurs médicaux yo Gaza qui en bas attaque rapporté nouveau frappe sous parti qui dans dernier bout de site Gaza jeudi vendredi. Matthew Miller dit groupe Hamas là gagnon bon proposition kounye ya. There is a proposal on the table. Gagnon proposition sous table qui satisfait en pile dans demande que Hamas te fait dans série négociation avant yo. Israël te fait une offre important ak dernier proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et Jean moi te dit en réponse ak en pile demande Hamas te dit que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nous croyons kounye ya c'est yo qui pour accepter accord que yo te mande ya et yo ta dwe akseptil et pou yo avanse. Chef Hamas Ismaël Haniyeh di groupe la ap voye yon délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre suspend et pour rive joine yon entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh di médiateur yo qui sorti dans Égypte à Qatar, l'el te parlé dans téléphone ak yo a hier jeudi ya. Que Hamas a petit jeu dernier proposition Israël là ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis il se passe 10 moun mouri dans une inondation qui frappe yon parti au Brésil, Maurice Pierre. Au Brésil, 13 moun mouri et 21 lot moun disparaît après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans le sud-Brésil depuis lundi, d'après Défense Civile PIA. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, yo espéré quantité moun ki mouri yo a augmenté na état à cause difficulté pour yo joindre accès dans zone côté te gen glissement terrain. Gouverneur Leite dit, malheureusement, nous déjà regrettons toute la mort qui pourquoi enregistrer et pour gagner en pile, surtout à cause glissement terrain, à monde qui était côté qui pas de gain accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis n'a travaillé dit pour nous arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membre cabinet yo, parmi yo ministre environnement Marina Silva, t'ai visité village jeudi pour te rencontrer avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que les la nature belle nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffait de l'eau dans la région Pacifique équatoriale. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Nous parler dans pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante et bien mes amis, ont visité barrage canal et construction canal rivière Massacre dans Wanamet, Jodle Junior Civil depuis Fort Liberté. Une délégation Conseil national Fédération protestante d'Haïti qui gagne en tête li pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là canal irrigation rivière Massacre dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo di, c'est pour te venir non seulement canal là, mais tout continuer pour te support yo pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, pasteur Floridor Calixte invité protestant yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Et bien jodi a, moi te jugé nécessaire pour me faire ça, pour me capable venir continuer encourager bel travail qui a fait ça qui c'est canal ça
donc qui pral servir pour arroser terre nous pour capable bailler produit en pile manger dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous avons continué à encourager tout le peuple haïtien. L'autre côté qui a fait canal, continuez à faire canal parce que aujourd'hui, le peuple a besoin de manger pour manger. Si l'autre monde a fait révolution dans la politique, nous-mêmes protestants, on fait révolution économique là à travers le développement agricole dans le pays d'Haïti. Pasteur Floridon Calixte, rapoussi pour le dire, secteur protestant, pas campé dans l'accompagnement de la paysan dans plein de Bamari Baoua. Comme ça, il a porté 1 million. Good pour canal là. Il était tout profité annoncé, il a pral mettre campé yon banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, ligue déjà fait coordination déjà fait, mais moi-même comme président dans nos conseil national fédération pour d'Haïti, nous portons une offre spéciale, nous portons 1 million de good que nous n'a pral bail là dans quelques minutes en coordination et cap gérer canal là pour nous encourager davantage. Donc nous portons 1 million de good encore pour nous ajouter sur tout ça que bail déjà pour continuer avec travail canal là. Fédération protestante d'Haïti, nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables d'encourager partenaires nous, pour nous capables mettre une coopérative d'agricole, pour ne pas dire banque d'agricole. Jodler Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important. Émission spéciale, branchée VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Oui, pas oublier rendez-vous à nous, mes amis. C'est 5 tapins sur page Facebook, nous, côté nous, pour suivre le reportage spécial, ça que Pifort, membre équipe service que la met ensemble pour présenter nous, avec des journalistes. Et spécial tout qui au même tout, c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation la presse là, que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, mais qui a une participation par et tout. Donc, pas raté, rendez-vous ça. Nous parlons de Miami, côté nous parlons de Jeune Judon, c'est qui parle parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique. Carlo Vieux. Le musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là dans micro VOA Creole. Carlo Vieux annonçait que la retiré colis dans business musique haïtienne. Et me faire recul là, me dit que me t'a quitter musique, me quitter musique parce que et bon, I'm the family guy, one of them that going to some bagage ça, but it's honestly that's what it is. Me pense que moi t'ai fait tant moins et kounya là c'est là pour me bailler tant moi petitement. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moi as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Rosilmé alias Gigi t'est rencontré avec la presse dimanche qui s'est passé là dans Oakland Park État Floride pour te annoncer que désormais li pas artiste solo encore, li gen propre jazz dé qui pote nom Gigi Band, li gen nouveau manager qui pote nom Alba Guidi et li gen deux nouveaux vidéos sur marché musical. Deux vidéos qui me sont sortis aujourd'hui, yon ti kay remen, yon di yoz, et m'ka di que nous apwè différence yon parler plein de l'amour et l'autre là a parlé gens que m'ta remen pour moun ça c'est moun moins chaque jour et deux concepts différents, yon qui vraiment fancy and fashionable et yon l'autre qui voye nous droit à Haïti la kay. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en État Floride, non pas, c'est Jude Ronsré pour VOA Creole Miami. Merci, Julien. C'est bien, mes amis, je dis, c'était une journée spéciale, c'est une journée de liberté d'après, donc, on m'a dit, tout journaliste, tout confrère, bonne fête, quel que soit côté, quel que soit dans condition que, bah, la caille pour difficile, mais quand même, Kimbella, Palagui, prend courage, n'a pas ensemble, c'était toujours pas nous. Nous parlons toujours, et n'a pas dit que, je dis, à rappeler que c'est vendredi, week-end a déjà commencé, donc, on connaît, soit marché, gardant ou gardant bas, pas traverser la raison pas faire ça. Et puis tout, sous pral conduit tout, qu'on est que sous consommer alcool ou pas qu'à monter derrière un volant machine. Et sous, à monter derrière un volant machine ou pas qu'à consommer alcool. Passez un bon après-midi, un bon week-end. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe Capsali, nous, et dans toute équipe, c'est ce que là. Merci en pile. N'a lundi prochain. Pendant annoncé, la police a clamé qu'on les tête ensemble dans le périmètre qui est pour avec l'aéroport international de Saint-Louverture qui permet de quelques activités dans l'entourage aéroport 4 entreprises sans vous être chargé l'institution. Bien, Leslie Voltaire, qui est un conseiller présidentiel, qui a participé à une interview avec Assad Volsi dans la Gazette News Haïti, eh bien,
li poste yon extrait nan interview sa sou compte X li. Li fè kwè peyi a pa gen droit continuer a prenne ki sou contrôle et communauté internationale. Ça c'est Leslie Voltaire. Le pays a besoin de citoyens intègres, des haïtiens intègres, compétents qui peuvent nous diriger. Li déclaré qui pas partisan et faut que moun sa yo parle pour faire face avec problème que pays a fait face depuis un bon bout de temps en pile monde qualifié comme Kachubumbe. Et il y a aller plus loin. Li dit pratique pour nèg k'ap séparé gâteau ça de fini, ça pas de continuer dans pays d'Haïti parce que bagay la critique en pile petit bout de terre papa de Salina. De toute façon, grand moun ti moun yo te rele yo pour t'al ra les oreilles yo. Pour le Dieu qui s'est fait pour ça, c'est pas ça qu'on te promet. Malheureusement, il y a un petit monde qui pas mis des pieds. Ah oui, réunion, pas prendre ça. Oui. Dans la réunion CARICOM, tu dois organiser avec conseiller, avec le monde qui fait partie du conseil de transition. Malheureusement, Montana et Lavalas te fait abstention, briller, blesse personne. Et ça, ça pas tout dit. Conseil présidentiel, ça, il est tout arrivé dans la limite, après installation, après prestation, seulement, après. Ça a été le fait comme élection qui n'est pas arrivée faite, qu'on n'y a plus à poser cette question. Il s'est caché des élections qui n'est pas faite là. C'est vrai que la majorité a, en de conseil là, ils ont droit qu'ils ont gagné des personnes. Ils ont toujours à l'organiser l'élection. Pour que ça ne soit pas l'élection qui fait. C'est désigné qu'ils ont désigné. Pendant qu'ils ont désigné Edgar Leblanc-Fils, personne n'a pas de problème. Parce que Edgar Leblanc-Fils, son personnalité intègre. Mais qu'on y a un monde qui pratiquement désigne lieu les personnes qui ça regarde des têtes pour qui est-ce qu'il travaille majorité ça est-ce que c'est dans l'intérêt pays d'Haïti malheureusement que monde sont pas respecté ça yo écrit ça yo dit ou après depuis en lagan yo fin désigner Edgar Leblanc-Fils yo vini avec premier ministre ça yo pas respecté accord politique qui ont signé 3 avril la blessure des hommes. Ça tout dit exactement. Pas rien pour Haïti, c'est tout pour Negio. Nous besoin au moins, peuple haïtien, livre de préconcept. Tout pour vous, ça est le dernier goût de l'eau qui a de tout renversé face à la blessure des hommes. Et nous, particulièrement les Sibenes, et dernier goût de l'eau qui pour renverser face à la c'est pas sa solution. Qu'on a solution, il n'a même pas haïtien, il n'a même diaspora haïtien, et il n'a même haïtien qui conséquent, qui dit que. Yo pas quitté un ensemble de monde qui est déjà contribué dans craser pays ça qui est déjà contribué dans mettre pays ça dans niveau que lié là et pour que ces monde ça qui vous continuer à tout puissi à piller peuple haïtien et je dis à penser que et je dis à mettre quoi que je dis à m'a dit que peuple haïtien mais faut nous comprendre que je dis ensemble de monde ça yo ensemble de conseil ça yo ensemble de traîtres ça yo, ensemble de apatrides ça yo, ensemble de antinationalistes ça yo, ensemble de anti-changement ça yo. Yo pas travail dans intérêt haïtien, yo pas travail dans intérêt pays d'Haïti, yo travail dans intérêt métio, dans intérêt portio qui c'est les États-Unis, le Canada, la France, la communauté internationale qui c'est BINU, qui c'est l'ONU, qui c'est l'OEA, qui c'est corps groupe, yo travail pour ensemble de ambassades yo parce que je dis hein en pile là nèg sa yo en pile alors mais si presque tout si m'ka dit tout net c'est des moun qui étaient déjà des problèmes santé économique et si yo était yo était des problèmes là yo et kounya yo dit que bon yo ba al refaire santé économique yo ba al gérer et gérer question santé économique yo mais au fond question intérêt haïtien pas gagne rien qu'à régler même gens te gagne en pile là messieurs dames HDP yo qui était dans Ariel Henry c'est des moun comme si que yo pas de sous rien ça te gagne en te fini comme réserve. Et bien, yon t'al souci, yon t'al pillé, yon t'al fait tout ce qu'on est comme bagaille drôle, comme corruption, pendant 32 mois, Ariel Henry, et bouté pas les bagaille pays. Je dis à moi, m'sais si tende, équipe SDP, équipe André Michel, équipe Marjorie Michel, équipe Ricard Pierre, qui a passé le son, qui a fait le son, qui a fait la morale, pour dire que, moun qui remet pays, moun qui pouvait si, moun qui pouvait ça. M'sais demandé, équipe SDP, est-ce que yon même, pendant 32 mois, pendant 33 mois, qui ont été pour côté Ariel Henry, est-ce que vous avez posé des actions qui étaient dans l'intérêt pays? Je vous le dis que, peuple haïtien, et clairement, ils avaient nous dit que, dit Philippe, je dis jusqu'à présent, diaspora haïtienne, vous été quoi dans la révolution que vous prenez? En pile, la diaspora haïtienne, pour me généraliser. Yo croit que la révolution prône
et on croit toujours dire que révolution est réelle. Et il y a tant que ou mettez pied à terre pour que révolution capable vraiment opérationnel. Et en pile haïtien qui en dans pays et qui dans différents départements dans pays. Yo même tu croit dans roue. Yo croit dans révolution parler. Et attend que vous voyez signal et signal vous voyez pour que yo même yo embraté le pan ensemble avec vous. Qui ça va prendre selon pile dans yo. C'est en pile dans moun sa yo qui croit dans révolution là et qui campé d'ailleurs, yo dit qui ça va prendre pour ba signal révolution. Et je dis hein moun messieurs dames ça dans conseil yo, yo veulent ba raison avec vous. Yo veulent ba raison avec ensemble de moun dans société hein qui te dit que yo pas croit dans conseil ça, yo pas croit dans moun ça yo parce que c'est même moun ça qui te contribué dans mettre pays dans ça là. Je dis entendez que au lieu de majorité 4 sous 3, 7 membres, alors c'est 7 membres, majorité 4 sous 3, qu'on a eu tout, faut que majorité 5 sous 7. Pour vous amener tout le monde. C'est plus la démagogie, c'est plus mon affaire intérieure à régler. Pendant ce temps, la pluie a tombé dans le pays, hein? Et presque chaque soir la pluie tombe, en plus côté a inondé là, en plus côté a des boulonnages de qu'a fait là, et vous comprenez. Au cap haïtien, Blaise, on doit parler de question de la pluie. Au cap haïtien, c'est plus passé 11 mounouis qui ont déjà perdu la vie. L'un qu'on est dans la capitale pays, dans Port-au-Prince, des chiens pipi, l'arrière inondé à cause de tout égouillot qui n'est pas nettoyé. À cause de la mairie qui n'a pas pris responsabilité. C'est pendant un pile l'argent débloqué dans le cadre de question assainissement. Pendant, messieurs, dames, il y a plein de temps pour faire parler en pile, pour abgoumer pour pouvoir. Le peuple a continué à kidnapper et pas oublier. Que saison cyclonique là, l'a avancé avec force. L'a avancé avec force. Yo annoncé gros danger qui parait sur tête pays. Pendant monsieur Damio, en pile monde te comprendre, après yo te fin décider pour te mettre conseil ça et camper sous pied, yo dit bon, pays pour quelques moments, qui quoi là-dedans, yo dit pays a ralon souffle. Malheureusement les personnes. Ouais conseil présidentiel ça blesse. C'est mal épandé. C'est une autre crise. En de crise que le pays a qu'on est là. Parce que pas de volonté du tout. Bon côté monde qui fait partie du conseil là. Et songez, l'étape difficile pour de volonté bon côté yo. Pour plusieurs raisons. Et le clair d'évangile tout le monde. Oui, le clair d'évangile tout le monde. Parce que ça qui a fait le badjam haïtien depuis le commencement. Bon, le badjam haïtien depuis le commencement. Et puis nous te voulons pour des combats qui te fait dans l'intérieur du pays d'Haïti. Nous tout le monde a regardé. Nous devons chaque monde. Soit c'est représentant les États-Unis d'Amérique, c'est représentant la France, c'est représentant Canada qui est au et puis après tant que vous venez pour Haïti, si ce n'est pas nous-mêmes qui entendons les situations comme peuple haïtien, pour chercher résoudre le problème qui est dans le pays, ça qu'à la kawel, nous faisons carré nos problèmes, t'as fait nous à couler avec moi. T'as fait nous à couler avec moi. Et nous gardons toutes les situations. Monsieur Dame Sayo qui l'a, il y a plus de café à couler avec moi. Parce que tout le temps qui est passé, il est plus bon pour vous. Et vous mais alcool, et vous il est bon pour vous, et mais à 16 ans, ça, d'ailleurs, c'est aussi, et aussi, encore politique, et aussi, comme ça, 7 février 2026, c'est bye-bye. Que le, comme si, après 7 février 2026, si vous avez arrivé dans les ça, pour vous penser que vous avez un prolongement, qui va ça? Qui va il y a un prolongement pour continuer. C'est pas mon gars, c'est pas mon gars, Attendez, temps passé. Et un intérêt mettre la vie, c'est ça le besoin qu'on a. Il n'y a pas d'intérêt monde qui peut être abjéré pour voir dans le conseil. Mais il n'y a pas d'intérêt mettre. Parce que mettre, c'est sous instabilité pays d'Haïti. Il faut faire grâce ça. C'est sous instabilité pays d'Haïti. Il faut confirmer que le pays a une crise là-dedans. Il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait aide qui vienne là-dedans pour aider le monde. Et puis, il faut tout profiter après la fête. Songez après 12 janvier. Pour un peu le monde, c'était une date mémorable. Une date importante. Qui te connaît en pile haïtien qui te perdit la vie, dans quatre catastrophes naturelles, mais en pile monde te pensait que le pays a tout décollé. Mais malheureusement, ouais, après 12 janvier, c'est enterré le pays, enterré plus. Monsieur Damio vient là, sous prétexte qu'il a vu l'aider, il a plutôt poté aller, tout ça t'a vu dans le c'est pour ça que question CEH là, il va le faire lumière sur lui. Qui ça fait va le faire lumière sur CEH? Parce que c'est même groupe monde qui entend, yo. Si yo quitte un petit peuple ça, entend, yo. Si vous avez un petit peu de ça, collez tête ensemble. Pour chercher à résoudre le problème que vous avez de la situation, pas grave en pile.
C'est ça que fait, si vous regardez son visage, chaque conseiller, ou après, vous marquez apatride, conseil dans tout niveau. Parce que pas un yon là qui est capable de désigner, monsieur Damio. Si vous avez une volonté pour te mettre le pays dans sa vie là, est-ce que vous n'avez pas embargé quand vous avez fait un petit dans chaque rapport qui a sorti, il a fait qu'on est qui a violé tout patron de pays là. Dans le département de la Tibonite, dans l'Ouest. Oui, imaginez, une jeune femme qui l'a caillé. Si gros mal qu'elle fait, c'est parce qu'elle était la Kaili. Bandit sans foi ni loi, débarqué en train de la Kaili. Il a demandé pour vous coucher. Il a refusé parce qu'elle n'a pas de relation avec un garçon avec Negio. Il n'a pas traîné avec lui. Negio assassiné. Et ce n'est pas la première fois que ça a répété. La situation. Ou un peuple qui en agonie. Ou un peuple qui s'en est fini péri. Pour plusieurs raisons. Il a juste couché la Kaili. Il a pas qu'à déplacer. Grand bois tout. Et puis, Kounia. Ou t'as jeune de monde qui dit que ça son pays qui te dirigeant que t'as dirigé. Majorité, monde qui passe dans tête pays, ça a blessé personne. C'est opération pompier au ferry. Yo qui te quitte monde fin victime, le a sous tribune Nations Unies, ou y a dit désolé, ou y a confirmé, ou y a dit mais quand c'était monde qui mouri. Et question l'appli que vous parlez, c'est ça, monsieur dame qui est dans le conseil présidentiel. Ou y a perdu de là, c'est un yaptan, le bon bon quand c'était monde qui fin mouri, le sa yop galde ses bilans. Laisse ça au temps pour retirer, pour débloquer l'argent. Et c'est le premier projet qui a fait là. Pour retirer l'argent, pour fondre l'argent. Parce que les gens ont besoin de grâce. Où est-ce que l'équipe qui a cherché l'argent? Où est-ce que l'équipe qui a des problèmes? Qui a des problèmes bavantes? Qui a des problèmes poches? Les gens ont besoin de résoudre le problème poche qui est là. Si ce n'est pas le peuple haïtien qui prend responsabilité pour dire non, ça n'est pas possible, que si on résout le problème poche là, ce n'est pas Kounia. Nous avons résolu le problème poche là, oui. Maintenant, ça que le pays qu'on est là, il mérite une volonté patriote pour quel que soit le monde qui vient prendre le pouvoir. Pour au moins nous mettre main, si nous avons résolu le problème là. La situation, c'est soit messieurs, dames, ça, yo, si vous êtes intelligent, c'est faire non, yo, à la mise de Panthéon national. Comme qui ça, à qui ti? À vous faire? Blaise. À vous faire, ça, qui mette yo. Attendez, si vous si êtes intelligent, si vous êtes intelligent, c'est ça, au cap bénéficier. Malheureusement, si vous regardez, vous n'avez pas intelligent déjà. Vous n'avez pas compris dans quelle spirale que vous prenez là. Vous n'avez pas compris qui test que peuple haïtien a fait avec vous là. Vous n'avez pas compris dans quelle situation que vous venez pour moun, comme moun qui a venu diriger le pays. Au plus souhait, c'est des gens qui disent, mon cher, c'est le moment opportun. Il ne faut pas qu'être temps dehors. Vous n'avez pas de moun pour te choisir. Malgré l'élection, pas choisir. Et bien, j'ai une chance là, et voyez un membre dans le conseil présidentiel là, bon tout préparer. Parce que qui a retiré moun ça, qui a pas retiré yo, élection a bien pour faire quand même. M'a pas de possibilité pour m'gen bed, m'a pas de possibilité pour m'gen bec, m'a pas de possibilité pour m'gen moun dans le conseil électoral provisoire ou bien conseil électoral permanent. Laisse ça, la ka fait quelques coups de plume, la ka entendu pour faire corruption, parce que c'est sous base corruption. Au conseil présidentiel qui charge un paquet de moun, qui a le caché là-dedans. Laisse, m'a pas connu si moun kap gade kap tande orive comprenne. Yon ensemble de moun qui te nan caché, conseil présidentiel la mette au déroi. On s'en demande qui te perd du droit à la parole. Ou dis-moi, est-ce que soit de moun dans le secteur privé? Oui, dans le secteur privé, oui. Qui te perd du droit à la parole dans la société, oui. Pour Zach qui est au commerce, oui. Ce n'est pas nous qui disons au commerce, Zach. Mais c'est boss, yo, moun yo t'a servi, ya, qui dit moun sa ou pas honnête. Moun sa ou commettre un paquet de crimes en dedans pays, ya. Malheureusement, des personnes, si vous regardez, si vous suivez, vous avez moun sa yo, depuis après, depuis un moment, installation conseil, là, ou c'est vous-même qui paraît. C'est vous-même qui devant scène, non. C'est vous-même qui avez fait moun la morale. C'est vous-même qui avez fait moun la loi. C'est eux qui paraît comme monde qui plus intègre, c'est eux qui paraît comme monde qui plus honnête. Et c'est eux même tout qui estiment que l'insécurité a un problème. Il faut que le problème de l'insécurité a résoudre. Je garantis, si nous ne prenons pas bonnet, puis ta capitrice de la situation. Moi-même, je dis clairement, si vous c'est que moun sa yo, faut peuple haïtien, faut prendre décision avec yo. Je regarde pour moi, gagner deux membres de conseil présidentiel. Je crois que c'est Emmanuel Bertillet avec. Qu'est-ce encore? Peut-être qu'on Jean, on croit que sorti une note et pour sacrifier les Cap-Haïtiens. Pas besoin que tout ça. Il y a des cas sorti on va qui lié avec tout conseil là. Chaque nèg a fait affaire par Blaise. Yeah. Chaque nèg a fait attention par eux. Il y a des cas sorti un bagage sympathie qui sorti dans nos conseils. Pas de ouais, pour me prendre d'abord, l'idée que d'abord même besoin que si a tu mais non Edgar Leblanc officiellement là comme coordonnateur, il est qu'à mettre dans tout conseil. Et puis t'as plus simple. C'est vrai que je comprends comme si c'est question de régionaliste ou bien. Non, mais là, pas de question de journaliste. Parce que toute action, on conseille à poser là en de conseil là. Les politiques,
et li pousser à interpréter la façon n'importe mon cap observer là. Est-ce que vous comprenez? Li pousser n'importe mon cap observer interpréter la façon parle. Et ça fait moi dit que si y a pas de jet coquin mesdames que moun sort à régler, li t'a clairement montré que même dans question bagaille élection qui fait récemment qui pas fait élection fait. Yo t'a tombé d'accord que mais bagaille pas arrivé jusqu'au côté rivé là. Il va mettre division, Montana dit si, Lavalas dit ça, et dit si, Petit de Saline dit ça. Il va pas besoin jusque là. Parce que vous êtes d'accord que c'est consensus. Et consensus, vous avez dit qui ça, vous dit ok, c'est un tel nous choix, un tel nous prend, un tel nous mettons là. Et pas oublier que même équipe à Montana, c'est vrai,